Eh bien, j'hallucine ou quoi? Est-ce que vous savez ce que nous allons découvrir ici? Aïe, 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 aïe. Mes frères et sœurs, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ça m'étonne. C'est là même moment où je commence à apprécier la vie que Dieu nous donne. Ma sœur, si tu as envie, lève même tes mains vers le ciel pour dire merci Seigneur Jésus-Christ, merci mon Dieu, parce que je suis en vie. Ah! Ce que nous allons voir ici, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de la blague. Une fille va entrer dans un véhicule. Au moment où elle va arriver près de chez elle, elle va dire arrêtez ou moi, parce que moi je vais descendre. Elle va dire non, tu ne peux pas descendre. Mais pourquoi? Nous allons tout découvrir ici. Vous devez partager cette vidéo pour témoigner à beaucoup de personnes de se réveiller un peu. Parce que les gens tombent beaucoup. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous maintenant et allons au studio. Un témoignage est là. Elle va nous raconter. Elle va tout nous dire. Elle va tout nous dire. Ce que nous entendons ici, ce n'est pas pour les enfants. Ce n'est pas du jeu. Même si elle-même, elle est une enfant. Ça m'étonne. Regardez-la. Waouh! Incroyable, mais vrai. Elle a des choses à nous dire aujourd'hui. Et son témoignage est hors du commun. Son témoignage est vraiment étonnant, hallucinant. Oh, franchement, elle est là, elle va tout nous dire, elle va tout nous raconter. Et nous allons l'écouter. Après l'anglais de Mira, j'ai 14 ans. Le problème a commencé à Ocala. Je sortais de l'église à 19h. 19h, j'ai pris un bon à laisser au clando. Clando, j'ai pris un petit taxi pour me déposer à la maison. Maintenant, le taxi en question, quand j'ai demandé l'arrêt, il m'a dit oh non, attends, va tourner. J'ai dit non, mon frère, laisse-moi là, je vais marcher. Je vais arriver si j'ai arrivé à la maison. Il m'a dit non, attends, va tourner. Et puis, les gars qui étaient dans le taxi, frère, est en train de prendre les photos. Il y a un qui m'a injecté sur le bras et l'autre m'a mis le scotch et puis un truc dans la bouche. Ah, elle a quitté l'église, elle est à la maison. Elle va maintenant emporter des véhicules. Elle va décomposer, décomposer jusqu'à la tomber dans un véhicule où les gens vont commencer à lui faire des choses bizarres comme ce qu'elle voulait d'entendre. Hey, qu'est-ce qu'il ne veut pas avec les gens là? Qu'est-ce qu'ils font même? Mais écoutez bien. Maintenant, on a continué. L'homme l'a fait ligne droite. Ligne droite, nous sommes arrivés dans une parcelle, une grande parcelle où il y avait ses frères. Donc, je suis descendue. Il y a un qui m'a attrapé la main. Et un qui m'a attrapé la main, il y a un autre qui parle avec son frère, il y a un autre qui parle au téléphone. Donc celui qui m'a attrapé la main m'a amené où il y avait d'autres filles. Et les filles, il y avait d'autres filles qui étaient nues, il y avait d'autres filles qui étaient habillées. Quoi? Vous avez entendu ça? Donc, elle a été capturée par ces gens. Et ces gens l'ont envoyée dans un endroit où elle pouvait voir des filles qui étaient nues, certaines filles qui étaient nues et d'autres qui étaient habillées. Pourquoi étaient-elles nues? Est-ce qu'elles avaient été violées? Mais pourquoi sont-elles là-bas, ligotées? Pourquoi est-ce qu'on a attrapé elles? Pourquoi? Écoutons très bien. Donc, c'est lui qui m'a attrapé la main, m'a laissé pour aller parler avec son frère. C'est là où, comme je regardais à gauche, à droite, j'ai dit, ah, il s'agit pour tuer le nid ici avec maman pour nous ici, là. C'est là où je commençais à fuir, je commençais à courir dans l'herbe, là. Je commençais à courir. L'homme qui m'a attrapé la main m'a poursuivi. C'est là où aussitôt j'ai appelé mon père parce que quand il est couru, donc j'ai enlevé le scotch que j'avais sur la bouche, j'ai commencé à courir. C'est là où j'ai appelé mon père, j'ai guidé. C'est là où mon père m'a rappelé. C'est là où il m'a demandé qu'est-ce qui s'est passé. J'ai dit non, papa, il y a les bonnes qui sont en train de me poursuivre. Il m'a dit, j'ai dit, je ne sais pas. Il m'a demandé de se cacher, je me suis cachée. Le monsieur qui m'a attrapé la main est en train de passer, il est passé devant moi, il ne m'a pas vu. Je me suis cachée. Après, le monsieur est redescendu, il est en train de crier à ses frères, comment on doit attraper la petite fille là? Sinon, elle a tout foiré. Ça oui, je me suis encore cachée. Comme il est descendu encore un peu plus bas, je suis ressortie. Je commençais à courir. Ça où j'ai appelé mon père, il m'a dit, oh non, cache-toi, j'arrive. Ça où je me suis cachée. Après, je suis arrivée vers la quincaillerie. Quincaillerie, j'ai pris un raccourci vers l'herbe là. Je suis entrée dans une forêt, une petite forêt. Je suis arrivée à Mikolongo. Mikolongo, il y a une femme qui m'a vue. L'homme était toujours derrière moi. Une femme là qui m'a vu, elle m'a dit, qu'est-ce qui se passe? Ça où j'ai dit, maman, l'homme qui, le monsieur qui vient là-bas me poursuit. Son mari est sorti avec le fusil. Ça où maintenant, comme il a vu le monsieur avec le fusil, il a commencé à courir, il est reparti. Ça où je suis restée là, je suis restée à attendre mon père. Ça où maintenant, on a appelé les forces de l'ordre. Et on a appelé la PJ et on a dit oh non, il n'y a pas le carburant. Ça, papa a appelé ses amis, elles sont venues, un peu en retard. Donc, comme nous sommes partis, on n'a pas trouvé les jeunes filles, on a seulement juste trouvé les traces de la voiture, les pneus, c'est tout. Ils n'ont pas trouvé les jeunes filles, ils ont juste trouvé les traces de la voiture. Nous sommes partis avec les jeunes filles qu'ils ont capturées.
Mais qu'est-ce qui ne va pas avec ces gens? Qu'est-ce que les gens sont en train de faire? Les gens sont dans quoi? Mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe. Vous ne pouvez pas vous imaginer ce qui se passe dans ce monde. Il y a tant de choses terribles comme ça qui ont lieu dans le monde que vous ne pouvez même pas vous imaginer. On l'a capturé pourquoi, selon vous? Dites-le-moi dans la partie commentaire. Maintenant, regardons un peu ça. Dans l'une des universités populaires au Nigeria sera devenue folle après être descendue d'une luxueuse voiture. Une jeune fille devient folle après être sortie d'une voiture de luxe. On dit que cette jeune fille-là est devenue folle juste après être sortie d'une voiture de luxe. Nous allons revoir, vous allez voir, ça va venir. Voici une autre fille qui avait été déclarée morte, qui a été retrouvée plus tard dans une église en train de danser. Blessing, une jeune fille devient folle après être sortie d'une voiture de luxe. Wow. Une jeune fille étudiante dans l'une des universités populaires au Nigeria sera devenue folle après être descendue d'une luxueuse voiture qu'il avait déposée. De nombreuses personnes présentes sur les lieux ont conclu qu'elle avait été utilisée pour de l'argent par des garçons Sakawa, car l'année écoulée, les garçons Sakawa devaient renouveler leur alliance. La vidéo de la jeune fille est devenue virale sur les réseaux sociaux et a incité certaines personnes à donner leur point de vue. Cependant, une autre histoire vient s'ajouter à cela. En effet, il s'agit d'un young boy qui fut attrapé avec un tas de serviettes hygiéniques usées et ce, quelques jours après que sa petite amie soit devenue folle et ait été chassée d'une Mercedes-Benz. Grosse coïncidence, on voit que cette histoire est la même que celle de Blessing. Il a été par la suite attrapé par la foule en colère qui voulait des explications. Interrogé, il a répondu qu'il s'appartenait à sa petite amie. Avec ces informations, on peut conclure que c'est pratiquement la même chose qui est arrivée à Blessing. Cette vidéo, nous vous l'avons montré il y a quelques temps. Nous allons essayer de la retrouver rapidement sur la chaîne. C'est bon. Et nous allons voir. Il s'est retrouvé, c'est une personne qui a été capturée, retrouvée avec une serviette usée, hygiénique. Nous avons fait cette vidéo-là il y a pas très longtemps. Vous voyez, comme vous pouvez le voir, nous allons vous montrer. Nous sommes même sur la chaîne. Regardez, nous sommes ici sur Nyan Sribon. Nous jetons un coup d'œil. Voilà. Et vous allez voir, nous allons chercher. On va chercher. Allez, il y a plein de vidéos ici sur Nyan Sribon. Quand les gens voient ça, ils pensent que c'est la blase dans les histoires. Mais regardez, vous venez de voir une chose qu'on a traitée il y a très longtemps. Juste, donc les serviettes hygiéniques là. Il a pris ça, ce sont les serviettes hygiéniques de sa copine. Voilà, la vidéo est ici. Dieu merci, on vient de la retrouver cette vidéo. Nous faisons toutes ces choses pour prévenir les gens que ces gens existent. Vous devez faire attention. Si ce n'est pas l'origine de quelqu'un, l'argent de quelqu'un ne touche pas à cela. Nous allons découvrir des trucs terribles. Regardez, c'est cette vidéo-là même qui est ici. Regardez. Mesdames et messieurs, bonjour. Personne ne l'aurait cru si ce n'avait pas été filmé. Partie 16. Partie 16. On va retrouver cette partie-là. Parce que ce que j'ai même vu ici, ça m'a même étonné. On va retrouver cette partie. Voilà. Voilà. Nous allons voir cette partie-là où ce jeune homme a été attrapé. Regardez. Voilà, c'est ici. Nous avons fait cette vidéo-là. Il n'y a pas longtemps. Regardez. Il a été capturé avec une serviette hygiénique. La serviette hygiénique de sa copine. Donc sa copine était devenue folle. Les choses. On lui utilisait des serviettes hygiéniques. Et sa petite amie pour faire ça, ce sont des serviettes hygiéniques. Il utilise ces serviettes hygiéniques pour aller faire des rituels d'argent. Vous voyez ça, donc il a rendu sa copine folle juste pour devenir riche quoi. Wow. C'est une vidéo que nous avons traitée il y a quelques temps avant, regardez. Et regardez la confirmation aujourd'hui, ça m'étonne. Ça prouve que nous faisons vraiment du bon boulot. Dieu merci. Regardez tout ce qu'il a eu. Ce sont des médicaments, c'est quoi ça là? Regardez. D'où vient cette chose? Et il avait tout ça dans son sac. Pour lui faire son bagbadji. Vous pouvez penser que c'est de la blague, mais vous imaginez même pas ce que les gens sont prêts à faire pour de l'argent. Ma soeur, tu as un gars, fais attention. Il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie, il faut avoir Jésus-Christ dans ta vie. C'est bien pour toi. Dis à moi, c'est que je protège moi. Aujourd'hui, là, le monde fait peur. Avant même qu'on fasse à quelqu'un, là,
c'est pas une bonne affaire. Même à la fin, c'est toujours même si tu ne peux pas battre les gars, juste ici, tu vas voir un gars. Lui, il allait travailler en Europe, il revient à la maison. Il n'y a rien qui l'a donné pour qu'on réalise les choses. Donc ses parents ont tout bouffé. Il s'est lui-même mis en colère. C'est étonnant. Il a dit ça. L'homme est multidimensionnel. Comme vous le voyez, c'est pas de la blague. On a fait cette vidéo il y a juste quelques temps. Et regardez, la confirmation est là. Quand on fait cette vidéo, on avait dit que cet homme avait, il avait tapé avec des services de génie, tout ça, parce qu'il allait faire des babadis, des rituels. Aujourd'hui, on sait pourquoi. Vous avez vu ça? Ces filles sont devenues folles. Aujourd'hui, les jolies filles qui sont attirées par l'argent, toutes ces choses-là, sont en train d'être ciblées par ces gens, des personnes. Faites très attention. Abonnez-vous, partagez la vidéo et ne manquez pas la prochaine vidéo qui va apparaître même ici d'abord. Et soyez prêts pour la prochaine vidéo. Soyez prêts, soyez tous sur le même.